Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle, un nouvel épisode de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, l'épisode 11. On retourne donc en Afghanistan avec Big Boss et son fidèle acolyte maintenant, le chien que je vais garder tout le temps parce que il me permet d'identifier les ennemis que je n'ai pas vus et donc de plus facilement réussir mon infiltration, voire plus, en fait, plus j'ai d'informations, plus je suis capable de réagir aux situations. Si j'ai l'impression qu'il y a un mec et qu'en fait il y en a quatre, bah ça se joue pas pareil tout simplement. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je nous mets sur l'écran et on est reparti les gars. Donc on va appeler l'hélico direct et on va partir en mission. Hélicoptère, c'était ça. Rendez-vous ici. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je veux faire un tout petit point sur ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. On a eu un combat contre un sniper qui nous a empêché d'aller faire une quête et on l'a recruté. Actuellement, elle est dans le centre médical. Ils sont en train de l'étudier. Ils veulent la questionner aussi. Donc voilà. Mais peut-être qu'elle viendra nous aider peut-être plus tard dans l'histoire du jeu. En tout cas, elle a de sacrés dons et c'est un sniper de génie. Elle nous a sauvé la vie. Donc je lui fais entièrement confiance. Et nous sommes partis de la base, de la Mother Base. Aujourd'hui, j'aimerais bien ne pas avoir à tuer 150 personnes en un épisode. Mais bon, si j'ai pas trop de choix, encore. En fait, la dynamique qui sera dans toutes les vidéos, et peut-être je me répéterai, mais je préfère être clair, le but c'est d'infiltrer, et si je me fais choper parce que j'ai mal joué, dans ce cas-là on passe en guérilla, on fait la guérilla quoi. On fait le One Man Army et on les fume tous. Mais bon, je pense que plus on va avancer dans le jeu et plus ça va être difficile. Sachant que. Ah. Oh. Ok, on peut améliorer le chien. Ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, mince, j'ai perdu ce que je voulais dire, les gars. On va aller Mother Base. Récompense, pourquoi pas. Ça fait toujours des sous en plus. Recherche et développement. Équipement de coéquipier. Ils nous ont dit qu'il y avait un truc pour le chien. Mais non, mais c'est bloqué. On peut pas. Il me faut un spécialiste d'électrofilage. D'accord, donc pour pouvoir le débloquer, il me faut un truc en plus. Enfin, il faut que je capture une personne en particulier. Là, il me manque quoi? Niveau 20 et je suis au niveau 18. Donc ça va, après ça va être mieux. Ok, bon, pour l'instant, on est un peu bloqué au niveau des améliorations, c'est pas très grave. Nos armes font déjà énormément de dégâts. Alors, normalement, je suis à la mission 11, non? D'accord. Ah non, c'est la secondaire en jaune. Entrer en contact avec Kemmerich, c'est ça. Donc, on doit faire ça, mais sur le chemin. Donc, j'étais allé ici. La dernière fois, j'étais allé ici et j'avais dû faire tout le tour. Sauf qu'arriver dans cette zone-là, là. Arriver dans cette zone-là. Je me suis retrouvé pris par un sniper qui est Ghost et du coup on a dû faire quelque chose. C'est quoi l'ours brun légendaire? Comment ça? Comment tu veux que je capture un ours brun? Faut que je l'endorme, non? Ça va être super dur. En plus il est dans la zone que je peux pas faire. Donc à mon avis, déjà le mieux c'est d'aller ici. Et après, je pense qu'il va être sur cette route, hein. Il va être dans cette zone, mais sur cette route. Ça, je sais pas ce que ça donne, les ours, les animaux de compagnie et tout.
Je me rends pas compte de ce que ça donne. Parce que j'ai déjà capturé des petits lapins et tout, mais. Alors, j'ai sniper, j'ai M4 et j'ai mon flingue. C'est nickel. Pas besoin de plus. C'est parti. Alors, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse des quêtes secondaires pour allonger un petit peu le let's play et puis peut-être profiter un peu plus du jeu. Moi, j'ai tendance, quand je fais un jeu, à rusher l'histoire principale parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'histoire, c'est vraiment le gameplay et tout ce qui s'ensuit parce que le gameplay, en fait, il s'affine et il se peaufine au fur et à mesure du jeu. Et avancer dans l'histoire, ça veut dire que ça fait avancer le gameplay aussi. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avancer énormément vite dans l'histoire et très peu faire les quêtes secondaires. Parce que si elles sont secondaires, c'est qu'il y a bien de raison. Maintenant, si c'est le genre de jeu où il faut faire les quêtes secondaires pour pouvoir réussir les quêtes principales, il y a un moment où je vais être obligé de les faire, quoi. Ça, c'est stylé quand même. Mais je vois pas quand est-ce qu'on va l'utiliser vraiment. Là, il y a des animaux. Eh bien, c'est là. Bah, c'est exactement là que je me suis battu contre Ghost. C'est cette zone. Ah, attendez, maintenant faut voir. Ok, c'est tout droit. Ok, ça marche. Vas-y, go. Alors je rappelle, hein, comme j'ai le loup, j'ai pas le cheval, donc là si je fais ça, je peux lui dire de les occuper. Et je peux appeler le chien à moi, mais ça sert pas à grand chose. Les plantes médicinales. Mais à chaque fois il me dit des trucs et je le vois pas sur mon écran, je sais pas pourquoi. Plantes médicinales, il l'a vu? Y a rien hein, sur mon écran. Là, faut juste suivre la route. Faut pas suivre la route. S'il y a une voiture en face, les gars, c'est que il y a. Et ça se trouve même là où je suis, non? Je me. Attendez. Déjà, je vais m'équiper de mon. Comment on fait déjà? Je sais plus comment on fait pour changer d'arme. Ok. Analysis complete. E, C, D, 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 C, ok. Il y en avait un par là, là. Analysis complete. C, D, 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 ok. Pas que je capture peut-être quelques personnes. Mais peut-être pas là. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Ouh, B, B, E, D, D. Oh, lui, il est bien, lui. Mais j'ai envie de lui mettre une balle dans la. J'ai envie de prendre mon sniper et de l'éclater en fait. Analysis complete. Et il est B l'autre, hein. On va aller le chercher, hein. Enemy presence detected. The map has been updated. Ok. Alors attendez. Au cas où. Enemy presence detected. The map has been updated.
Comment je vais faire? Je prendrais bien le flingue. Il va s'endormir ou pas? Comme j'ai pas tiré dans la tête. Ah, il faut attendre les gars, hein. Je vous le dis. Ah voilà, il s'est endormi. Putain, il a pris du temps. Ça a mis au moins 10 secondes minimum. Allez, on prend lui aussi au passage et puis je me casse. Allez, c'est parti. C'est à gauche. Okay. Comme ça, j'ai vraiment un mec dans l'armée qui va être ultra, ultra fort en termes de combat, vu qu'on vient de débloquer la garde, les soldats de garde. Comme ça, on va pouvoir bien voir. Alors là, je vais. Ok, je vais tout droit. Let's go! Un animal. Là, je l'ai entendu, vous voyez. Et je l'ai vu. Mais tout à l'heure sur la route. Alors là, il y a un camp. Il m'intéresse pas des masses. Moi, de toute façon, je vais tout droit. Capturer l'ours. On tente ou pas? Déjà, faut le voir. J'ai repéré une plante. Mais où t'as vu cette plante? Le truc c'est que si je le vois, je veux pas qu'il me fonce dessus. Ok. Putain, mais les rochers, c'est vraiment un problème dans le jeu. On peut pas les grimper. Ah, là, il y a une plante. Attends, il y en a un autre. Il y a que dalle avec les arbres. Par contre, c'est animal, il est là. Alors, par contre, il se dirige vers moi. La target, super, mais je le voyais même pas. Pourquoi tu fuis? Il va où?
Il m'a éclaté. Je m'en doutais un peu, mais à cette vitesse-là. Ouais, il m'a mis un coup, je suis tombé à terre. Ouais, on va pas le faire. Hein. On va pas le faire. Je pense que c'est, à mon avis, il faut un flingue plus... avec des seringues beaucoup plus efficaces. Hein. Je crois que j'ai dû lui tirer, j'ai dû lui tirer 3, 4 ou même 5 balles de pistolet et il a rien pris. Je vais où là? Je sais même pas où je vais. Bon, my bad les gars. Bon, j'ai voulu tenter voir parce que je le voyais fuir, donc je me suis dit mais attends mais parce que s'il faisait comme les autres animaux, ça aurait été pas mal quoi. Et là il s'est retourné, m'a foncé dessus à une vitesse. Ok, c'est parfait. Là on va juste tout droit. Allez. Là, c'est là où j'ai tourné à droite, mais je veux pas. Ours légendaire. Qu'est-ce que ça peut bien nous rapporter, hein, d'ours légendaire? Bon, le truc c'est qu'il les repère, mais je sais pas si ça les marque vraiment sur la carte définitivement. Ah si ça les marque sur la carte. Donc si je veux un jour aller farm, je peux me faire un petit chemin avec toutes les plantes médicinales. Mais là on arrive dans le dans l'épingle à cheveux. En priant pour qu'il n'y ait pas d'ennemis sur la route. Ok, je peux passer par là. Genre couper. J'ai failli les fumer, hein, je vous le dis. On va être honnête, j'ai vraiment hésité à les fumer. Hein. Je me suis dit, s'ils sont en meute, ça va être trop compliqué à gérer. Mais ils étaient que deux, donc j'y ai réfléchi à deux fois. Ok. Et donc là, je peux encore couper. Ok. Donc là on y est, c'était juste derrière cette montagne ou dans la montagne, je sais pas trop. Ah stylé. Pourquoi je commence une mission avec mon sniper qui est pas chargé à max? J'ai pas tiré de balle pourtant. C'est juste à ma droite là. Ah ouais, il va falloir faire le tour je pense. Et là, c'est là que les embrouilles commencent. Caution. Stand
Oh, si c'est pas beau ça. Je vais plus rien voir, vous non plus, mais au moins on pourra avancer et se positionner. Ok, alors lui, il se voit assez rapidement. DDDDC, ok. Alors on va se baisser. La tempête arrive. Je l'ai vu. E, B, B. Ah, il y a du B quand même, hein. Si seulement je pouvais avoir un sniper avec un silencieux, ça serait une dinguerie, les gars. Il a trouvé la cible? Ah, dans la tempête de sable, je peux rien faire. Hein. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Ok, c'est déjà pas mal. Lui, il est derrière le pylône, donc il ne me verra pas. Là, il pourrait me voir, mais on va y aller doucement. Ok. Il a tourné le dos. Analysis complete. Oh, il est nul. Complete. Enemy presence detected. The map has been updated. Ok, il a vu 1 milliard d'ennemis. J'ai un peu la pression là, je souffle fort, les gars. C'est bien, mon bébé, c'est bien, c'est bien. 2 secondes. Parce que là, je me suis bien infiltré. Là, le moindre problème, je suis, mais dans la sauce la plus totale. La tempête de sable m'a vraiment bien aidé. Par contre, l'autre, il vient vers moi, là. J'ai peut-être attendu trop. Il y a des ressources là. La porte, je suppose qu'elle est du côté de l'autre côté. En tout cas, ouais, il y en a un qui fait le tour. C'est embêtant, mais il pourra pas me voir. Et de l'autre côté, moi, faut que j'aille à 116. C'est où? Faut que j'aille ici, moi. Et là, j'ai plutôt bien géré, en vrai. Je suis bien passé. Par contre, ouais. Le problème, c'est que la personne va quand même falloir que je la fasse sortir. Et s'ils me disent que je dois l'emmener jusqu'à l'hélico, ça va être infaisable. Ou je vois pas comment je peux faire. Oh, il y en a un à l'intérieur. Putain. Il va où? Putain, il regarde à travers la fenêtre, le pire endroit, quoi. Je peux pas y aller pour du coup.
Faut attendre le bon moment, les gars. Jeu d'infiltration oblige. On essaye de faire les choses bien. Allez, casse-toi! Y a pas une fenêtre là? Non, y a pas de fenêtre. S'il bouge pas, je pourrais pas avancer, hein. Quoique. Ah, mais il risquerait de me voir. Hein. Il vient par où? Il vient par là. Il vient à moi, je le chope. Mais non, mais tu vas le faire bugger là, il va jamais partir. J'emmène à l'arrière du bâtiment, je le dégage. Allez, et ils sont trop loin pour entendre, donc normalement ça devrait être bon pour moi. Là, là on passe là. Attendez. On va faire une pause ici. Je peux pas passer là, hein. On est d'accord. C'est sûr. Vous avez vu le mec à 32 mètres là, il regarde dans ma direction. Ah, il regarde plus. Si. Non, si, non. Putain. Même ce qu'il regarde dans ma direction. On va pas attendre très longtemps. Je vais aller vérifier. Ah, il tourne le dos. Je peux peut-être. Aïe 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 aïe. J'avais dit, hein. C'était chaud, j'en étais sûr. Là, le problème, c'est qu'il va venir vérifier à la dernière position. Il m'a vu, hein. Et il y a un mec à 60 mètres qui arrive aussi, hein. Ouf. Il s'est arrêté. C'est bon. Et moi, mon objectif, il est là-bas. Je peux pas monter là. Merde. Ah non, il va me voir. Hein. Faut vraiment que j'attende que lui, il fasse sa ronde. Trouve que c'est trop long, les gars. Hein. Devrait bouger un peu plus souvent les ennemis en vrai. Même si c'est réaliste.
Ok. Allez, barre-toi. Let's go. Là, normalement, je devrais avoir un checkpoint, je pense. Voilà, c'est ça. Un point de contrôle. Waouh, c'est quoi ce méca? Changes have already been finalized. It's not operational yet. The remote piloting and AI control haven't reached the application stage. Who said anything about an AI? That was Coldman's mistake 10 years ago. Be that as it may, we'll need to modify postural control to accommodate a human pilot. I share your urgency. We need more time to finish it. Analyze transmission. He's been in contact with the boss. Right. Planning on leaving us, Doctor? Huh? What? I'm taking your legs back. Ah ouais, il s'est pissé dessus, quoi. You're just gonna kill me? Sahelanthropus is mine now. Listen, I may dwell in the dark, but I refuse to be judged by your standards. Salut Morgan. Comment vas-tu? Friends give you what's coming to you. Take him to the base. Yes, sir. Transporting Emmerich to the base camp and returning to base. We're shutting down. All units, strike camp and clear out. We still have use for him. Là, va falloir le sauver, c'est ça? Oh, il est déjà trop loin à mon avis là. Par contre, peut-être qu'on peut détruire l'arme. Ah non, on a tout perdu là en fait. Ok. Épisode 12, Destination Enfer. Completed. No doubt about it, boss. That man is your extraction target, Emmerich. The weapon system that disappeared into that cave, and the man who was with it. Emmerich must know something about what's going on. He was transferred to the Soviets' base camp. I've marked it on a map. Make your way to that base camp. Et je l'ai pris déjà, le mec. Updated. Oh.
Ok. C'est pas trop mal ce que j'ai fait. Là, il y a deux mecs qui arrivent, bizarre. Il y a un hélico. On est vraiment, vraiment, vraiment pas très bien là. Hein. La carte, elle dit quoi? La carte, elle dit quoi? Trajet cible. Localiser et entrer en contact. Ok. Allez, prends ça. Ça fait des soldats. Et je vais repartir comme je suis arrivé. Hein. Je connais le chemin maintenant. Vite, 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 vite. Et là, il rentre dans le bâtiment, c'est ça? C'est ça, il est rentré dans le bâtiment. Hop là. Moi qui voulais les ressources, c'est le moment. Il y a la radio en plus. On chope une petite cassette. Par contre, bizarre. Hein. Dès que je m'occupe d'une personne, il y en a une autre qui arrive. Big Boss Omega. Il est pourri ce jeu. Bah écoute, viens pas sur le stream alors. Hein. Allez, tac tac. Hop. Allez, tu prends 24 heures. Tac, alors. On le sort parce qu'on est obligé de le sortir, les gars. Pour l'avoir, on est obligé de le sortir. Donc là, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Comme ça, je vais pouvoir le faire rapidement. Allez, let's go. Autant les utiliser, hein. Donc je suis ressorti de la base. Maintenant, faut que je reprenne la route et que j'aille à... Faut que je suive l'hélico là. Grosso modo. C'est ça. Voilà, donc là je rejoins la route. It's been on my mind since you encountered the skulls during the honeybee mission.
Évidemment, ils ont mis des soldats sur toute la route. Et là, si je tombe, je suis mort, non? Non, ça va. Pas s'ils me verront. Nickel. Là, je peux tracer. Ouf. Alors là, il y a un camp de base. J'hésite à mettre un petit coup de snipe dans l'eau. Nul. Ah, lui, pas mal en vrai. Hein. Analysis complete. Il n'a pas d'autre. Hein. Non. Que là, on s'allonge tranquillement. On prend le snipe. Clac, ici. Hop, on snipe. Allez, recharge. Non! Juste au-dessus. Oh là là. Ok. Recharge. Ouf, c'était chaud. Mais là, on a des ressources. Il n'y a pas autre chose. Okay. Donc ça, ça va être utile pour la Mother Base, pour la faire évoluer, évidemment. Les petits camps comme ça avec 3-4 ennemis, ça va en vrai. Propre médicinale. Il y a moyen de faire quelque chose avec 4000 et 3000. Hein. Pas super fort non plus, il y a l'air d'en avoir que 3. Mais comment? C'est impossible à tirer quand il bouge. J'étais dessus. Oh non, mais là, l'IA, c'est abusé, les gars. Hein. Elle bouge au moment où je vais tirer. Ah, souris, ça serait fort. Hein.
bon, j'ai utilisé pas mal de balles. Je me demande si je vais pas me faire un petit. On va prendre l'arme au cas où. On peut pas rentrer. On peut rentrer. Y a que ça? Ah non. Métal courant. Dans leur camp, y a rien là. Point de contrôle. Enemy presence detected. The map has been updated. Ah, attendez, je suis où là? Ouah, ouais, je suis encore loin. Hein. On va pas faire toutes les bases. Hein. Manque une petite musique là. Parce que l'ambiance c'est bien, mais. Oula. Tant que je glisse, ça va. Vaut mieux pas passer par la route. Y a quoi dans ce conteneur? Analysis complete. It's no good, boss. Attacking like that won't cut it. Aim somewhere else. Allez, ça dégage. Il m'a fait gaspiller une balle, tant pis. Attendez. That container is filled with raw materials. Looks like they're using those colored bands on the outside to tell the contents apart. Whatever's in them, they'll come in handy somehow for Diamond Dogs. Et je fais comment? Caution, sandstorm approaching. Extraction failed. Bon, là, il y a la tempête de sable, évidemment. Peut-être que c'est pas, je suis pas, il faudrait peut-être que j'améliore mon système pour qu'il puisse le faire. Je sais pas. Obligé d'attendre pour savoir. Elle est arrivée au mauvais moment, la tempête de sable. Clouds approach sun will set shortly. Enemy presence detected. The map has been updated. Ça a des ennemis proches. Y'a rien à faire, hein. Y'a rien à faire. C'est 0%. Non. Bon, bah, on va se barrer.
Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce casque qu'il a là? C'est de l'infrarouge? Au pire, je m'en fous. Nous, on continue. Pourquoi elle est derrière? Derrière ce caillou en fait. Voilà où je suis, il y a peu de chances qu'il me repère. Hein. Target Emmerich should be somewhere there. Keep in mind, that's an enemy stronghold.